Salut, station fréquence, les bosses 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Attention, Daniel Centaure, est-ce que tu es en fréquence? Bonjour Rémi, je suis à l'écoute, Rémi, je n'ai pas tout passé ce matin. Ah, je suis en train de passer sur le pont d'Aquitaine. Alors, c'est un peu plus tard que d'habitude ce matin. Parce qu'en plus, là, je pars juste. Ah ouais, bon, ben on verra bien une fois rendu au pro, mais normalement je suis dans les temps. Hein. Mais oui, mais vu que tu as ouvert un groupe. Et vu le titre du groupe que t'as ouvert, je me suis dit que ben, ça avait sa place dessus, quoi. Il fallait les mettre à chier. Ok, d'accord. Oui, j'ai joué un coup de feu. Ok, d'accord. Au fait, au niveau du groupe que tu as ouvert, tu regarderas, il y a une lettre en trop là dans le titre. Ah, chie trois coups. Ouais, en plus je viens de passer sous un pont. Je disais que dans le titre du groupe que tu as ouvert, il y a une lettre en trop dedans. Là, tu verras ça. Apparemment, t'as pas fait gaffe. T'as dû avoir les doigts qui traînaient un peu trop sur le clavier, ce qui fait que t'as rajouté une lettre à un endroit. Tu verras ça. Hein. Ok, d'accord. De toute façon, on va arrêter ça tout à l'heure. On va arrêter ça tout à l'heure parce que là, bon, quand j'ai mis là, j'ai dit bon, j'ai cette chose. Voilà, donc c'est pour ça que je m'ai pris le temps d'ouvrir. Et j'apprends ça tout à l'heure. J'ai dit voilà, ok, sans problème. Par contre, oui, j'ai vu que tu avais retrouvé le portable, là, le 10-18, là, de chez Alain, là. Là j'ai du mal à t'attraper, là j'ai du mal à te recevoir, j'ai pas tout compris là, j'ai mis sur mon groupe là, j'ai mis des photos de poste, des trucs d'archives, mais bon c'est tout quoi, j'ai pas de nouveau matériel. Bon, j'ai pas compris ta question. Dans les vieux matériels que tu as mis justement, dans les vieux matériels, il y a un poste portable. Il y a un poste portable et justement, dans ce poste, il y a un MSM SSD. C'est un petit portable. Ah mais ça fait longtemps là que j'ai mis cette photo. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui ça. Ah non, c'est pas d'aujourd'hui, non, ça c'est pas tout jeune, hein. C'est pas tout jeune, c'est dans les années 80-90, et je pense, bon, il a pas très très bien marché, hein, quoi, mais il faisait que 4 watts, hein. C'était un tout petit portable, il sortait que 4 watts, hein, c'est un SSD. Putain, mais j'ai même pas fait gaffe, t'es sûr que c'est moi qui ai mis ça, parce que, putain, Alzheimer ce matin, moi. Parce que là, les postes là, que j'ai mis, là, ces jours-ci, là, sur le groupe, c'est soit des bases ou des mobiles. Je me souviens pas avoir mis de portable. Tout ça. Et je me rappelle plus
D'accord, ok. Parce que là, j'envoie, enfin, de mémoire comme ça, qu'est-ce que je fais moi? Je suis en train de zigzaguer là. De tête comme ça, là, j'envoie des récents, là, des tout récents là, qui ont la BLU. Tu vois, là déjà, là, à première vue, là, je me souviens pas du tout d'un portable CB qui avait la BLU là autrefois. Celui-là, alors là, je l'ai pas du tout connu celui-là. Et là, ça me dit rien du tout là. Ah oui, ça m'intéresse bien là, parce que là, je vois pas du tout quoi. Ok, bah tiens, je suis en train, là, je dois pas être très loin là du radar, là, le nouveau radar là qui s'en met là, sur la rocade. Voilà, je suis dans la... Alors qu'est-ce que ça me met? Prochaine sortie, l'Espar Médoc. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ben moi là, je suis dans un Gudas, là, le petit bois de la Gudas, là, voilà, et donc je roule tranquillement. Hein. Voilà, j'arrive dans le petit bois de la Gudas, et puis j'y vais, voilà. Donc, comme il y avait pas mal de vannes et de rond-points là, dans ce petit truc là, donc je t'explique. Voilà, ah, mais écoute, voilà, donc on est reparti, hein. Voilà, on est reparti pour être tour, hein. Ouais, voilà, toi, j'arrive à la sortie 8. Hein. Ben oui, mais toi, c'est pas la sortie 9, c'est pas aller. Là, la sortie 10, c'est que c'est quoi, moi? C'est la sortie 10, quoi, mais rien. Ouais, c'est la 10. À propos de la sortie 10, t'as vu que la route, enfin non, je sais pas si t'es au courant, mais la route de Martignas, à certains endroits, va être coupée et privatisée, quoi. Ah ben bordel, là, il va y avoir du changement dans le quartier, quoi. Ah putain la vache, oui. Et apparemment c'est prévu pour la fin d'année, quelque chose comme ça, quoi. Oui, en principe ça doit se faire à l'ouverture du site là. Ouais, j'ai vu. Tu sais que, en plus de la plaque d'égout, hachis trois coups, on nous donne encore autre chose là, pour bosser, ça n'est pas loin, quoi. Ouais, il y a des chances, oui.
vous disais, ah chier. Attends, putain, voilà, c'est, je repars là des feux là, de la sortie 10. Ah bon là toi, je suis à Martignac. J'arrive justement là, une petite intersection, un petit feu là de Martignac là. Et après je retournerai à droite. Ouais bah oui bien sûr. Hein. Alors là, je suis en approche là, du premier rond-point là, le, ben, pour prendre aussi direction, direction Martignac pour commencer. C'est vrai que je veux y aller encore la tête pour revenir au poteau. Putain, est-ce que je suis gros sur les photos? Putain, je n'ai pas aussi gros que ça, dis donc. Alors, en fait, on a un peu de photos, je vais passer un peu de ça. Voilà, je dirais, voilà, il faut que je passe quelque chose là. Attends, voilà, j'étais en train de m'attraper les ronds-points. Tu veux dire que bientôt, va falloir qu'on t'appelle Dieu. Ah, chie trois coups. Ah, mais... C'est un peu comme dans le Paris avec Gordon et... Putain, je suis en plein dans les QRM électriques, là, QRM industriel. Au secours! Ça marche bien, c'est pas la plaie, là, de. Ça marche bien, c'est pas la plaie de QRM, là, j'ai senti ça, c'est très. Très très plaisant, hein. Putain, la vache, oui! Mais où est où leur cirque, là? Parce qu'ils ont mis des affiches, hein, mais je vois pas le cirque, là. Donc quand ça va pas de ça va peut-être passer là, alors qu'ils ont dû le mettre au cirque, parce que là ils sont venus mettre des affiches devant chez nous, et je sais pas, je vois pas le cirque à l'emplacement où ils se mettent d'habitude. Attends, voilà, je suis en train d'arriver là sur le parking. Ok, d'abord que personne. Bon, je suis en avance en plus là, bon, c'est bon. Hein. Tu vois que je suis pas parti en retard. Hein. Non, c'est vrai que toi, non, t'es arrivé à l'heure. Voilà. Ouais, ben moi, c'est vrai, je t'ai ouvert un peu les mails. Donc, quand j'ai vu là, j'ai dit, ouais, bon, allez hop, c'est là où je vais dans le temps. Donc, c'est pour ça là, que j'ai démarré. Que j'ai... Et là, je suis toujours de la petite antenne. Hein. Ok, c'est quoi comme. Rappelle-moi ce que c'est comme antenne. Là, c'est une petite RML 245, hein, voilà, qui est plus petite que la Super Gordon et voilà. Un peu plus grande qu'une 145. Bon, ben, elle marche bien, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va, oui, non, c'est vrai que je suis au niveau réception et. Voilà, oui, non, c'est vrai qu'elle marche pas trop mal. Là-dessus, je reconnais. Tiens donc, chez moi là-bas à Sainte-Colombe, 5 degrés ce matin. Quoi. Ah ben là, 3 degrés là, sur Martina, c'est ce qu'il faisait devant la maison aussi. D'accord, ok. Bon, ça pourrait être plus froid, hein, vu quoi que là, on est au printemps, il est temps que ça remonte.
Ah, hier, j'ai passé la tondeuse, ouais. Ah, ok. Bon, mais mon petit Rémi, je vais te souhaiter la bonne journée. Ben, je ne penserai pas te voir tout à l'heure, mais je t'enverrai un message dès que j'ai les infos que je t'ai parlé tout à l'heure. Ok, comment ça? Tu veux plus passer me voir? Non, non, c'est bon, ça va donner des urticaires, toujours. Je chie trois coups. Ok, allez, je te laisse. Bonne journée à toi. Ouais, bah demain, pareil, même punition. Après-demain, bah pareil, même punition. Après, vendredi soir, samedi soir, le QSO du canal 27. Allez, amuse-toi bien. Ok, Rémi. Vendredi soir, je serai certainement à l'écoute aussi. Hein. Allez, bonne journée. Ok, merci. Toi aussi, bye.